Après avoir cessé de payer son loyer pendant 11 mois, Frédéric a été chassé de son appartement un après-midi d'octobre. La police a toqué à la porte. J'aurais dit, écoutez, je suis au courant, je suis en train de préparer mes affaires. Et ils ont insisté pour rentrer. Donc j'ai vraiment pris le minimum, voire même un peu moins, et je suis parti. Voilà. En une demi-heure, il se retrouve sur ce trottoir. Au départ, je ne savais pas trop où aller. Donc je suis reparti vers la porte de Saint-Cloud. J'ai dû prendre le métro, balader un peu en métro, revenir à la porte de Saint-Cloud. Enfin, moi, ça m'a pénétré l'âme. C'est se sentir seul, mais vraiment seul. Pas la solitude qu'on peut espérer quand on s'enferme dans une pièce ou autre, mais seul au monde, seul de son espèce. En quelques minutes, Frédéric est projeté dans un nouveau monde. Un monde hostile. Un monde dans lequel il doit désormais apprendre à survivre sans avoir un toit sur la tête. Il doit surtout apprendre à vivre avec de nouveaux repères. Devant l'église de la Madeleine, tout près des boutiques les plus luxueuses de Paris, Frédéric fait connaissance avec une adresse discrète. Un local où les sans-abri viennent laver leur linge. Pour faire une machine, Frédéric a dû prendre rendez-vous une semaine à l'avance. Il découvre qu'être SDF, c'est aussi apprendre à gérer son planning. Ça devient un parcours de combattant et ça prend surtout énormément de temps. Hein, là, c'est simple, c'est cet après-midi, c'est lessive, rien d'autre. Vous allez bien ? En plein cœur de l'hiver, la laverie ne désemplit pas. Matin et soir, plus de 50 personnes patientent pour avoir accès à une machine à laver. Le lieu est réservé aux hommes de tous âges. La découverte d'un nouveau monde pour Frédéric, un monde qui est désormais le sien. Alors, monsieur Saforès. Bonjour, vous allez bien? Nous avons lessive plus vestiaire. Bon, lessive, vous êtes en numéro 2. Oui. Est-ce que vous voulez un autre rendez-vous? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Vendredi prochain? Bah oui. Mais bon, vestiaire, je sais que si j'ai vraiment... L'accueil est respectueux. Voilà. C'est pas grave. Donc, je vous ai tout donné? Oui, tout à fait. Allez-y, cher monsieur. Je vous remercie. Ensuite. Pardon, monsieur. Pardon. Mais pas le temps de discuter. Frédéric se dépêche d'aller prendre son tour. Une seule machine par personne. 45 minutes, pas plus. Tout juste le temps de se réchauffer et de boire un café. En face de lui, ses nouveaux compagnons ne lui inspirent pas beaucoup de sympathie. Se retrouver confronté à des gens qui sont d'une saleté repoussante, on éprouve exactement la même chose qu'éprouverait le monsieur n'importe qui ou madame n'importe qui à leur contact. On a un phénomène de rejet. La seule chose qui me fait peur, moi, c'est d'être en contact prolongé avec ces gens-là. Mais pas parce que c'est des êtres humains, mais parce que... Ils ont perdu quelque chose d'humain. Ils ont quand même perdu quelque chose. Ah, c'est plus que la maison. C'est mon bien le plus précieux. C'est ma maison, c'est mes armoires, c'est mes meubles, c'est tout. Voilà. Je vais t'amener dans nos chambres. Tu es gentil, tu t'essuies les pieds. Hein? Il a gardé aussi un peu d'humour. Après quelques jours à dormir sur des bancs, il a finalement posé ses affaires dans un recoin abrité de la gare. C'est le garage à vélo d'Austerlitz. Par là-bas, tu as Félix qui dort. Ici, la chambre bleue, c'est Pierre. La chambre blanche, chez moi, avec des tableaux de maître accrochés dans chacune des chambres. Après, tu as passé une partie de l'hiver ici. Devoir dormir dehors sous le regard des autres, le choc a été sévère, mais Frédéric a bien l'intention de remonter la pente. On perd une partie de sa dignité. Hein, parce que aller se coucher dans des endroits où tout le monde passe, on perd une partie de sa dignité, mais quelque part, on gagne une autre dignité. Hein, c'est la dignité d'être propre alors qu'on est dans la rue, qu'on peut être considéré comme des moins que rien et qu'on se comporte comme des gens normaux. À Paris, il manque 5000 places d'hébergement d'urgence. L'hiver, les foyers sont pleins. Ce soir encore, Frédéric va dormir dehors. Il installe ses affaires pour aller se coucher dans sa chambre improvisée. J'aime bien ces couvertures. Elles prennent pas de place.
C'est des petites couvertures polaires, c'est bien ça. Pour s'isoler du sol gelé, il dispose de couvertures données par une association. Et voilà, le lit est fait. Frédéric se glisse ensuite dans son duvet. Pour éviter le froid, il dort tout habillé. Et ben voilà. Et puis quand je serai décidé à couper la lumière, c'est très simple. Pour couper la lumière, bonne nuit. Ce soir, cela fait 30 nuits que Frédéric dort dans le garage à vélo de la gare d'Austerlitz, loin des regards, invisible aux yeux des passants.